Chers auditeurs d'Ivoire TV, bonsoir. Nous nous retrouvons devant ce luxueux hôtel à Downtown, ici à New York. Voilà, c'est ce luxueux hôtel. Et le but de notre présence ici, c'est surtout dans le cadre de la visite de Son Excellence M. Soro Kibafore-Guillaume, l'actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Dans le cadre des échanges entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, il est là pour une visite. Nous allons certainement, bien sûr, lui arracher quelques mots. Et pourquoi pas, il nous dira qu'est-ce qu'il compte ramener en Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Mais auparavant, nous aurons l'occasion, au nom d'Ivoire TV, de lui souhaiter la bienvenue. Merci, suivez-nous et nous allons à la rencontre de Son Excellence M. Soro Kibafore-Guillaume. Merci bien. Excellence, bonjour, bonne arrivée. Oui, un mot s'il vous plaît, c'est Ivoire TV, la télévision des Ivoiriens de la diaspora. Au nom de Ivoire TV, on voudrait vous souhaiter la bienvenue. Disons que je suis aujourd'hui à New York pour prendre part donc à l'audition parlementaire du secrétaire général des Nations Unies. C'est une activité annuelle où tous les présidents des parlements du monde se retrouvent autour d'un thème et échangent avec le secrétariat général des Nations Unies et donc où des actes sont décidés et arrêtés. Je suis d'autant plus heureux d'être ici avec l'ambassadeur Bamba que je connais, qui m'a déjà reçu ici en d'autres titres et qualités quand j'étais Premier ministre, pour non seulement prononcer un discours devant la CPI, mais aussi pour avoir des rencontres en marge, n'est-ce pas, de cette activité. Donc je suis ici, je prendrai beaucoup de contacts pour parler avec les uns et les autres, surtout pour expliquer la situation politique de la Côte d'Ivoire et les grandes avancées que nous entendons réaliser dans notre pays. Je ne manquerai pas, avec l'ambassadeur, de rencontrer les Ivoiriens et de leur donner, comme on dit chez nous, les nouvelles. Bien, Excellence, merci et bonne arrivée aux États-Unis. Merci à vous, merci et à bientôt. Ivoire TV, Ivoire TV.